Bonjour à tous et à toutes, c'est réception du jour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis désolé de vous l'apprendre, ça sera pas pour forcément une vidéo où je déballe les vêtements parce que je les ai eus il y a 2 jours en fait. Et le problème qui n'en est pas forcément un, c'est que j'ai vu ma copine quand je les ai reçus et j'ai préféré passer du temps avec ma copine. Je pense que c'est compréhensible, hein. Je la vois pas souvent. Donc j'ai préféré passer 10 minutes que je mets d'habitude pour faire la vidéo avec ma copine que plutôt de faire la vidéo et alors que j'ai le temps de la faire voilà en temps normal. Donc je remercie la personne qui m'a fait le groupe. Il y a déjà 20 membres, je pense, à peu près comme ça. Donc n'hésitez pas à amener vos amis, il n'y a aucun souci, c'est vraiment libre. Vous pouvez mettre vos photos dessus pour montrer votre style vestimentaire, il n'y a aucun souci. J'en avais vraiment besoin pour comment dire, bah, pour faire connaître un peu plus ma chaîne parce que je veux que ça se lance. Et sinon, mis à part ça, il y a ces 2 t-shirts aujourd'hui que je vais vous montrer. Donc comme je le déballe pas, j'ai plus de temps pour vous dire avec quel bas le mettre, quel bijou le mettre, etc., etc. Enfin voilà. Donc on va commencer. Alors ça va être un t-shirt que je porte sur moi. Alors on dirait un t-shirt simple, mais je peux vous dire qu'il est très spécial. Ça vient d'Italie, Uniplay. Alors j'ai tout acheté sur la boutique officielle. Donc il coûte 14,95 € et franchement c'est. Au début c'était un peu spécial quand j'ai ouvert le colis avec ma copine. Je me suis dit ah ça me plaît pas trop en fait, mais on s'y fait puis on se dit que c'est plutôt pas mal parce que ça rejoint un style vestimentaire qu'un rappeur de mon coin, un pote à moi, je sais pas si vous connaissez Emma2X, il commence à sortir officiellement. Maxence, si quelqu'un le connaît, etc. Emma2X a à peu près ce même genre de t-shirt qu'il fait lui-même, à son nom bien sûr. Donc Uniplay, Made in Italy, 14,95 €. Vous pouvez voir ici. Donc là, j'ai ici les références. Donc c'est un t-shirt classique série 3001 blanc et la taille c'est du S. Alors attention parce qu'il taille très 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 grand. Je vais me reculer, vous allez voir. Donc, vous voyez ici, c'est assez grand. Il y a, attendez, est-ce que j'ai pas envie que vous voyez ma tête parce que je suis pas coiffé ni rien. Donc voilà. Donc une coupe assez bizarroïde, comme ceci. Derrière, il y a l'effet couture que vous pouvez voir ici. Vous voyez, il y a une couture qui est comme ça, pareil devant ici. Hop. Donc ça m'a un petit peu dérangé par contre, mais bon c'est pas non plus voilà. Donc la couture ici, voilà, c'est ça fait comme un oversized mais un peu plus stylé, voilà. Donc avec ça, moi ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait, c'est de me mettre avec un jean clair de préférence et assez serré. Malheureusement j'en ai pas parce que bah ça c'était du c'était je sais plus c'était quelle taille, c'était la taille que je faisais à mes 15 ans. Je faisais 15 kilos plus que là, donc bah ça me sert pas trop les pattes. J'ai énormément de mal à reprendre du poids, donc voilà, même avec la musculation, même si ça ne voit pas forcément. Bah voilà, prenez un jean délavé, assez serré, pas un slim non plus, mais prenez quelque chose qui vous colle quand même un petit peu à la peau pour que ça fasse un effet assez bien, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal pour 14,95 €. Franchement, ça vaut le coup. C'est pas cher. Sur la boutique officielle, vous pouvez l'avoir en blanc et en noir. Donc moi, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec une petite chaîne en argent, faut pas quelque chose qui flash, parce qu'il faut que ça reste vraiment discret. C'est déjà assez spécial. Faut pas non plus que ça tape dans l'œil de tout le monde, parce que sinon, vous pouvez avoir des réflexions ou même des attaques, hein, parce que moi, j'ai déjà vu ça dans mon coin. Personnellement, dans ma ville, voilà, il y a des gens, ils se font tabasser parce que ils ont un style vestimentaire un peu, comment dire, spécial, hein, un peu américanisé comme, bah, moi j'ai. Donc, tant que c'est pas moi, je vais pas faire l'égoïste, enfin, je vais faire un peu l'égoïste, je m'en fous un petit peu, mais bon, les personnes qui habitent ici savent comment je suis, donc il n'y a pas de problème pour ça, je pense que j'aurais jamais de problème de ce côté-là. Enfin, bref, donc voilà.
Donc plutôt sympa. Alors, je vais pas faire coupure parce qu'encore une fois, faut que j'utilise le PC de mes parents et j'ai pas trop envie de l'embêter. Là, j'en profite qu'ils soient par-ci, quelque part. Donc, je vais me changer vite fait et je vais vous montrer mon deuxième t-shirt que d'ailleurs vous avez dû voir sur une photo d'Instagram. D'ailleurs, allez sur mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner et tout parce que va y avoir en ce moment, il va y avoir pas mal de petites photos sympathiques au niveau de mon style vestimentaire. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est Clemente Vallès. Pareil que mon Facebook, c'est Clemente Vallès. Je rappelle mon PSN, c'est Mister Jeffardy 76. Et si vous avez un problème au niveau de l'écriture, vous venez me demander sur Facebook, il n'y a aucun problème. Donc je vais juste sur le côté, changer de bas, changer de haut, pour que ça fasse plus classe, bien sûr. Et bah, je vous retrouve. Donc je vais essayer de vous parler en même temps. Ça va être un petit peu dur. C'est un petit challenge. Donc voilà, on défait la ceinture. Donc non, je vous fais pas de petits striptease. Je suis désolé pour ceux à qui ça pourra intéresser, mais non. Hein, j'ai une copine, je suis pris et puis je suis hétéro. Donc comme ça, c'est dit, c'est clair, net, précis. Et voilà. Donc avec le prochain haut, je vais mettre un sarouel que j'ai pas souvent montré parce qu'il est assez spécial aussi. C'est le sarouel blanc snake cuir. Et un coup de cœur que j'ai eu au niveau du haut, mais quand je veux dire un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur, et au niveau du prix, c'est très, 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 très raisonnable. 35 euros, la marque Projet X. Alors, c'est une marque que j'ai vraiment, oulala, une belle Ferrari qui vient de passer devant chez moi, ça fait toujours plaisir à voir. D'ailleurs, il faudrait que je demande au mec qui me la passe, parce que ça ira très bien avec les couleurs de mon t-shirt. donc, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce t-shirt, c'est quelque chose de ouf. Donc voilà, moi je le mettrais avec un sarouel blanc, parce que je sais, je trouve que ça fait vachement classe comme ça. Je sais pas, vous dites vos avis et tout, il n'y a pas de souci. Alors Projet, c'est une marque que j'ai hésité énormément longtemps à acheter. 35,99 € pour ce t-shirt oversize, une coupe vraiment stylée. C'est arrondi vers le bas, ça fait pas genre... Vous voyez, ça fait pas genre carré comme l'oversize que j'avais de Sixth Jean. Donc ça m'a vraiment vraiment plu. Avec par contre ça, j'aurais... Bah ça c'est tant mieux parce que vu que ça monte assez haut, on aurait vu mon dos, etc. etc. C'est vrai que ça aurait pas été très bien si je serais sorti dehors, etc. Donc bref. Donc on peut toujours fermer. Non, il n'y a pas de souci. Mais moi je ferme pas parce que ça fait plus stylé. Hein, c'est exprès. Donc 35,99 €. Non, c'est pas pour montrer mes bras que je fais ça, c'est que c'est vraiment, ça colle vraiment. Vous pouvez voir, j'ai aucune marge. Ça fait plaisir. Par contre, ça, c'est des trucs qui redonnent confiance pour la musculation, pour des mecs qui n'arrivent pas à prendre de poids et qui croient qu'ils n'ont pas de bras. Bah du coup, c'est des t-shirts comme ça qui servent bien les petits bras, qui font toujours plaisir. Qui disent bon, quand même, on a quand même des petits bons bras. Donc voilà, ça fait plaisir. Non, je rigole. Hein, je sais que j'ai pas de bras. C'est juste parce que bah c'est comme ça, c'est bien serré. Et même moi, ce qui me plaît, hop, je le retourne, ça fait sympa aussi. Je le retourne, hop. Parce que maintenant la mode des t-shirts, faut un petit truc remonté comme ça, vous voyez, un petit pli comme j'ai fait tout à l'heure sur le blanc. Donc voilà, donc une coupe plutôt pas mal. Projet X 35,99 €, je vous donne les références. Alors t-shirt oversize, Projet X 88, 55, 42 red. Les vraies références, parce que là c'était en fait la désignation. Les vraies références c'est PJX tiré du 6 88 55 42 tiré du 6 RED, donc RED. Et pour le t-shirt classique série 3001 blanc, c'est Uniman UNIMAN tiré du 6 3001 tiré du 6 BLC. Donc voilà, donc ce qui fait en total pour les deux 59,26 € avec les frais de port que j'ai pris Colissimo, donc 6 euros en plus. Sinon, ça m'en revenait à 53, je crois. Donc, ben voilà, écoutez, c'est vraiment... voilà. Par contre, j'ai une petite question. Alors ça, c'est une question qui va vous intéresser. Alors, c'est qu'en fait, je vais vous expliquer... Oui, bon, je vais vous montrer, hein, c'est pas grave. C'est qu'en fait, ce t-shirt-là... Je l'aime bien, vous voyez, je l'aime bien et tout. D'ailleurs, vous pouvez le porter. Ça, il n'y a pas de problème. Une petite chaîne en argent, en or plutôt. Avec une chaîne en argent, il n'y a pas de problème aussi. Donc, non, ça fait pas terrible en fait. Donc, une chaîne en or, c'est mieux. Des petits bracelets, etc. Bref, pas de souci. Attendez, je me recoiffe vite fait. Voilà. Non, ça va pas. Bref.
Oui, j'arrive à me coiffer facilement, j'ai des cheveux espagnols, donc... Désolé à tous les Portugais, parce qu'ils aiment pas les Espagnols, enfin bref. Je suis pas raciste, hein, j'aime bien les Portugais, mon meilleur ami portugais, donc pas de soucis. Je fais gaffe parce que bon, il y a des trucs qui peuvent être très mal pris maintenant. La mentalité est complètement conne, donc on sait jamais. Faut mieux être prudent. Donc on repart sur le sujet. Oui, donc moi j'aime bien un t-shirt, franchement je l'aime bien, mais j'ai une question à me poser parce que moi j'aimerais bien en fait avoir une chemise du même style, des mêmes couleurs, et je me dis pourquoi acheter une autre chemise, une chemise en plus sur les mêmes bases, alors que je pourrais peut-être demander à une couturière de m'ouvrir, de faire des boutons. Donc il est assez grand vu que c'est un oversize. Donc pourquoi pas me le faire ouvrir pour que ça fasse une chemise en plus. Ça pourrait donner un autre style peut-être, peut-être une nouvelle mode. Donc voilà, plus.